Bah, j'ai embarqué pratiquement tous les mercredis. Parce que c'est convivial, parce que voilà, on peut acheter avec tous les producteurs locaux. Produits frais, les producteurs locaux. Par exemple là, Bernard, chez qui je prends mes légumes. 8,80. Bon, Régis va bien ? Ça va. Mon mari va bien. Mon mari va venir au marché, c'est moi qui viens pour lui. Voilà ce que c'est que le marché. Donc, on est amené à dire bonjour à tous les passants. Il a un charme et un caractère particulier, ce marché de la Rochette. C'est une tradition depuis 700 ans environ et qui n'est pas sur le déclin. Ce que l'on peut dire aussi, c'est un des marchés par rapport à la taille de la commune. Hein, 3800 habitants, c'est un marché qui est très bien fréquenté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent. Ceux de Pontcharrat, d'Alvar. Je vois beaucoup d'Alvar, même Saint-Pierre-d'Alvar, qui viennent ici. Hein. Ils préfèrent celui-là qu'à Alvar et à Pontcharrat. Puis aujourd'hui, c'est un marché exceptionnel, puisque c'est donc la foire de printemps, d'une part, et donc aussi, elle porte bien son nom, puisque le soleil est au rendez-vous. Entre des amis, on va se boire un petit café. On traîne, voilà, donc là c'est bien. On a l'habitude de faire le marché, comme ça on boit un petit café par là et voilà. Parce qu'on retrouve les amis, parce que voilà, c'est le moment convivial de la semaine. C'est le premier marché fort du printemps. Hein. Et puis voilà, le foire de printemps, ça appelle avec le nom, ça s'appelle les beaux jours, donc. T'as plus envie de sortir ?